Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous expliquer comment débloquer les grenades flashbang. Donc ici ça va être assez simple, mais l'intitulé peut paraître compliqué pour certains. Donc ici il faut tuer 20 ennemis souffrant d'effet d'état. Donc tuer 20 ennemis souffrant d'effet d'état. Retenez ça. Ici on va aller dans nos équipements et vous allez comprendre tout de suite. Donc les effets d'état, qu'est-ce que ça va être? C'est par rapport à toutes ces grenades. Sachant que la flashbang, vous ne l'avez pas. Et l'adhésif, si vous ne l'avez pas, il vous reste la frag, la mine de proximité et l'IEM. D'accord? Vous prenez ces trois-là. Et là, vous retournez sur l'intitulé. Je fais au mieux pour essayer que vous compreniez un maximum ce que je veux dire. Donc ici, tuer 20 ennemis souffrant d'effets d'état. Donc ça veut dire, si vous jetez une grenade, que vous touchez et puis que vous finissez, l'ennemi souffre d'effet d'état parce que vous l'avez touché avec votre grenade et ensuite vous le tuez. Ou si un allié par exemple jette la grenade flashbang, il l'a déjà, il la jette et vous le tuez. Ça veut dire qu'il est il a la, comment dire, la vue brouillée pardon. Et là vous le tuez, donc là vous allez marquer encore un point. Vous devez faire ça 20 fois. Que ce soit avec la mine à proximité, avec la grenade. Ça veut dire que directement vous touchez directement avec votre équipement de dispositif, donc qui est juste ici, vous touchez l'ennemi avec ça, ben directement vous le tirez dessus, vous le tuez, ben ça va faire 1. Il vous en faut 20. Donc même si vous le tuez par exemple directement avec la grenade frag, parfois ça compte dans le défi. Donc méfiez-vous. Ici, il faut vraiment toucher avec une de ces grenades ou de ces dispositifs, et ensuite tuer l'ennemi, et vous faites 20 fois, et vous débloquez la grenade flashbang. Donc voilà les gars comment la débloquer, et sur ce, j'espère que j'ai su vous expliquer convenablement tout, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin de tutos pour autre chose par rapport avec le jeu XDéfiant. Et si jamais vous avez des défis à me proposer, ben n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai de tout faire. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao.